Bonjour les filles, bienvenue sur ma chaîne de beauté bio. Alors aujourd'hui, je reviens pour une toute petite vidéo concernant, on va dire, mes derniers achats que j'ai effectués dans les, aujourd'hui déjà. Et puis une commande que j'ai reçue hier du site Bébé au naturel. Donc je vais vous présenter ça de suite. Alors, hop, on va commencer. Donc. Oui, on va commencer d'abord par la commande que j'ai passée. Alors en ce moment, je suis, enfin, je vais pas dire en no buy parce que sinon je ferai pas cette vidéo, mais j'essaie vraiment de limiter au maximum. Mais comme je dis au maximum, c'est voilà. Alors désolée peut-être pour le cadrage, mais j'ai un petit peu du mal ou la luminosité, mais bon, ça changera pas pendant un petit moment. Alors donc on revient sur en fait ma commande. Donc en ce moment j'essaie de pas trop acheter ou alors vraiment acheter quand j'ai besoin. Donc du coup bah, j'achète moins et c'est vrai que je le sens hein, là carrément ça fait très longtemps que j'ai pas acheté. Donc j'étais en fait vraiment attirée en regardant une vidéo de B comme Beauty. C'est Sabrina, je crois, qui nous a présenté en fait en avant-première en fait la base lissante de couleur caramel. Et bon, j'ai vraiment regardé la vidéo, du coup, j'ai un petit peu le même type de peau que Sabrina, c'est-à-dire qu'elle est enfin mixte à plutôt grasse, même très grasse au niveau de la zone T, front, nez, joues, un petit peu le menton. Et c'est vrai que quand je me maquille le matin à 6h30, alors déjà à 10h, mon maquillage, bon, il reste en place, mais voilà, ça se voit que mon visage est, je dirais, huileux, c'est ça, c'est le mot. D'ailleurs, quand je passe mon doigt, si vous voulez, sur le front, voilà, je sens vraiment que c'est très, très... Enfin voilà, c'est huileux et je trouve ça juste horrible et comme sensation, c'est pas terrible. Alors du coup, je me suis dit bah pourquoi pas j'achète on va dire cette crème. On va voir ce que ça vaut, hein, mais on va tester. Apparemment, elle en est satisfaite, donc voilà. Alors je vais vous la présenter. Donc c'est celle-ci. Alors c'est vrai qu'elle coûte un bras, hein. Elle coûte 25,90 €. Je l'ai payée. En plus c'est une petite contenance, c'est 30 millilitres, donc je l'ai pas encore testée. Mais voilà, je pense le faire à partir de la semaine prochaine. Et moi je vous dirai ce que j'en pense. Donc au niveau de la texture, ouais c'est, alors je vais vous montrer. C'est transparent déjà. Voilà. Et puis elle s'étale relativement bien. Et bon, je le vois un petit peu, mais elle a l'air vraiment de matifier. Donc j'ai l'impression qu'elle fait vraiment bien son job. L'odeur, ça sent pas bon. Ça sent pas mauvais. Une odeur neutre, quoi, je dirais. Mais bon, à la limite, on s'en fiche, hein. C'est pas ce qu'il y a de plus important. L'essentiel, c'est qu'elle fasse bien son job, c'est-à-dire de matifier et d'éviter voilà, qu'à 10h du matin, je brille, quoi. Alors, je vais essayer de mieux me cadrer. C'est toujours facile. Ensuite, alors comme j'ai pas voulu passer en fait, en fait, je voulais vraiment que ce produit. Les frais de port sont gratuits sur le site Bébé au naturel. J'ai voulu me commander quand même un autre produit. Pourquoi? Je sais pas. Mais c'est juste que j'aime pas commander juste un article. Psychologiquement, ça le fait pas. Alors, je me suis pris un rouge à lèvres. Donc, celui-là, il est en édition limitée. C'est la couleur le 119. Non, il n'y a pas de nom. C'est 119. En ce moment, c'est vrai que j'adore les rouges à lèvres bordeaux, framboise. Voilà, les couleurs vraiment d'automne. Et bon, c'est vrai que c'est des couleurs, bah, voilà, un petit peu vives quand même. Alors, il est pas mal, mais je suis un petit peu déçue. Je sais pas si vous allez bien voir. Voilà, je vais vous le swatcher. Alors déjà, je le porte sur les lèvres aujourd'hui. Je dirais, il a des sous-tons marron. Ouais, il est un petit peu marronné. Enfin, je crois que sur le site, il disait que c'était framboise. Ouais, il me semble, mais je suis pas sûre. Hein. Je suis pas sûre du tout. Voilà, je vais vous le remontrer. Bon, je vais pas dire que je suis déçue.
Par contre, il tient bien, ça c'est un bon point. D'une part, il tient bien, et d'autre part, le petit bémol, je dirais, c'est que aller au bout de, enfin, je vais dire globalement de 5 heures par exemple, d'une matinée, il laisse des petites stries au niveau des lèvres. Donc, où on se rajoute un baume à lèvres transparent, ou alors carrément on rajoute du rouge à lèvres. Mais bon, sinon il tient bien, à part les petits stries qui sont un peu gênants et ça fait pas très très beau. Voilà, donc ça c'était ma commande de bébé au naturel. Ensuite, j'ai été à la Vie Claire, donc près de chez moi. Et en fait, alors en fait, juste avant, je suis allée me couper les cheveux. En ce moment, je les perds énormément, d'ailleurs, depuis plusieurs mois. Alors, si vous connaissez vraiment quelque chose d'efficace pour éviter la chute de cheveux, alors moi, j'ai essayé plein de choses. La spiruline, la levure de bière. J'ai fait une prise de sang, je manque pas de fer. Enfin voilà, j'ai essayé un tas de choses. Donc là, en fait, je suis en train de prendre différents compléments alimentaires, c'est-à-dire des gélules d'huile d'onagre, de bourrache, avec du zinc, de la spiruline, de la levure de bière. Donc je viens vraiment tout juste de commencer. Voilà, j'espère juste que ça va marcher. Et puis je masse un petit peu la racine de mes cheveux, enfin quand j'y pense, avec de l'huile de ricin. Mais voilà, j'en prends vraiment un tout petit peu parce que c'est une huile extrêmement grasse. Donc ça, c'était la petite parenthèse chute de cheveux. Alors donc, comme je vous disais, j'ai été à l'Eau Vive et je cherchais en fait une crème coiffante. En fait, je cherchais une mousse, mais ils n'en avaient pas. Donc du coup, j'ai pris une crème coiffante, c'est ce qu'il y avait de mieux. Enfin, ce qu'il y avait de mieux, j'ai pas encore essayé, mais ce qui me paraissait être le mieux. Alors, c'est la marque K pour karité. Alors, c'est à base, parce que j'ai pas regardé, évidemment, il y a le label Ecocer qui est juste ici. Au niveau des ingrédients, donc de l'eau. Enfin oui, les ingrédients sont nickel. Extrait de canne à sucre. Eau de Douglas. Il y a du beurre de karité. D'extrait de racines de gingembre. De l'huile essentielle de romarin. Et de l'huile essentielle de citron, entre autres. Voilà, pour la compo. Donc je ne l'ai pas encore utilisé. D'ailleurs, je vais l'ouvrir. Hop. Il y a encore, il y a l'opercule. Donc là, ils mettent crème coiffante, maintien naturel. Voilà, donc en fait, c'est juste un petit peu pour discipliner mes cheveux. Comme moi, je fais pas de brushing. Parce qu'avec la masse que j'ai, ça va faire faible. Voilà, donc là, voilà. Vous voyez, c'est une petite crème. Bon, le but, c'est pas d'étaler sur la paume de la main, mais bon. L'odeur, ouais, elle a une odeur assez forte, mais bon, ça va. Bon, l'odeur, ouais, moyen quoi, ouais, moyen. Voilà, donc je me suis pris ça du coup pour mes cheveux en espérant, voilà, que ça va faire quelque chose. Mais là, au vu de la composition, je suis un petit, ouais, je suis un peu sceptique quand même, hein, parce que il y a de l'alcool, il y a pas mal de. Oui, beurre de karité, mais alors il est en je sais pas combien de positions. Bon, enfin bref, à essayer, à tester, je vous en dirai plus. Et ensuite, je me suis pris un vernis à ongles. Oh, alors là, vous devez rien voir, c'est oh, luminosité. Alors, je vais vous dire, c'est un rouge qui tire vers le bordeaux, donc un rouge très très foncé. Donc, je le porte pas. Je vais me décaler peut-être. Ah, je vais l'ouvrir. Voilà, je vais vous montrer comme ça. Ouais, mais là vous devez rien voir. Voilà, bon bah c'est pas grave. C'est un rouge à lèvres donc Benecos. Le numéro 62. Et voilà. En fait, chercher, voilà, un rouge à lèvres. Un rouge à lèvres. Un vernis. Un vernis. Parce que les vernis rouges, j'en ai. Mais celui-là, il est rouge, mais il tire vraiment vers le bordeaux. Donc voilà, c'est le seul de Benecos que j'ai. Donc en petite contenance, il fait combien? 9 millilitres.
Donc voilà, je vais le mettre ce week-end pour aller au boulot. Ça va être parfait parce que j'aime bien le rouge aussi. Donc voilà. Eh bien écoutez, voilà, c'est tout ce que j'avais à vous présenter. Oui, je m'éparpille un petit peu. Merci de me suivre, de vous abonner encore à mes vidéos. Voilà, donc moi aussi je regarde beaucoup de vidéos liées au naturel parce que j'adore. Voilà, il y a toujours des découvertes, des astuces, des choses qu'on peut partager. Et je trouve ça, voilà, juste, bah voilà, super intéressant quoi. Et prenez soin de vous au naturel et je vous fais des gros bisous. Bye!